potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est Darkmoon ici. On se retrouve pour une vidéo, je pense tout le monde s'y attendait, avec le titre, voilà, tuto Mustiflix. Donc ce tuto, sert en personne qui commence le jeu comme d'autres personnes qui se reconnaît trop dans la vidéo, ou soit des abonnés qui débute le jeu, car je vous rappelle que le jeu est devenu gratuit. Avant que le jeu devienne gratuit, il y avait 200 000 joueurs. Maintenant, il y a 2 millions de joueurs constants chaque jour. Donc ça veut dire que il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont pas si forts que ça, qui ont apparu, qui ont fait leur retour sur le jeu, et même d'anciens joueurs qui forcément, voilà. Donc on va direct passer pour le tuto. Donc déjà, première étape. D'ailleurs, je vais vous expliquer ce qu'est un Mustiflix. Genre un Mustiflix, c'est... ça peut vous servir partout, mais ça va vous servir à rien. Enfin, si, ça peut vous servir, mais... ça va pas vous servir à grand chose, quoi. D'ailleurs, je vous conseille, si vous voulez faire des musti au sol, je vous conseille de désactiver la caméra du ballon. Bon, c'est pas les musti au sol que je vais vous apprendre aujourd'hui. Voilà, j'en ai réussi un d'ailleurs. Il était pas ouf, mais... genre, musti, c'est ça. C'est le geste que je viens de faire en sautant, etc. Après, il y a plusieurs musti. Il y a celui-là. Attends. Il y a celui-là. Il y a celui-là. Et il y a celui-là. Il y a celui-là. Et celui-là. Bon, ce qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est ces Mustiflix comme ça. On va apprendre des Mustiflix comme ça aujourd'hui. Donc ça va. Alors, première étape, ce qu'on va faire, c'est que on va... alors, je disais, la première étape, c'est de tout simplement faire cet exercice sans la balle. Donc, se coller ici. Après, sauter sur le plafond et faire ça avec la voiture. Si, dès que vous, une fois que vous maîtrisez ce move à la perfection, vous pourrez passer à la deuxième étape. Ouais. On se retrouve pour la deuxième étape. La deuxième étape consiste, avec la balle, de pas aller vers les cages, mais de faire un tout droit ne pas aller vers les cages, mais faire faire tout droit une fois que vous décollez du mur. Ça va juste être sûr que vous maîtrisez à peu près le mouvement avec la balle. Donc moi, comme vous voyez, j'apprends les musti, mais je vous fais un tuto. Voilà. Voilà. Donc une fois que vous maîtrisez ça, on se retrouve pour la troisième étape. Donc troisième étape qui consiste à... aller au plafond avec la balle. Cette fois-ci, tout en allant vers les cages. Donc, aller au plafond, faire les mouvements répétés, etc., etc. Et après, mettre le but. C'est la dernière étape, voilà. Mouvements répétés, etc. Voilà. Voilà, excusez-moi. Je suis enrhumée. Mais du coup... pour tous ceux qui du coup faites les mouvements de étape 1 et 2, c'est un regroupement des 3. Là, allez vers, voilà. Après, une fois que vous maîtrisez bien, faut s'entraîner, même si vous réussissez, faut s'entraîner, etc. Et une fois que vous réussissez bien, c'est ce mouvement, vous continuez à le répéter quand même, et
Et sur ce, bah, j'espère que vous allez réussir. J'espère que ce tuto vous a aidé. S'il vous a aidé, si vous a aidé, faut lâcher un like. Je vous demande pas de vous abonner pour cette vidéo. Voilà. Mais lâchez un like si elle vous a aidé. Après, voilà. Et après, je vous dis aussi que j'ai prévu un live pour ce week-end. Donc ce week-end, un live. Donc j'espère que vous allez tous être là sur le live. Un gros live, je joue avec les abos, on va faire des qualifs, etc. Du coup, j'espère que vous allez être là sur le live. Peu importe quelle plateforme vous êtes, PC et tout, je prends, vous inquiétez pas. C'est pas la plateforme qui fait le truc. Peu importe si vous êtes nul ou pas, c'est pas grave. Voilà. Et du coup, sur ce, je vais sur un petit dernier mystifique que je fail. Bon. Je voulais sur un dernier parce que j'avoue, ça c'était pas un mystifique. Et du coup, il n'y aura pas de nouvelle vidéo avant le live, bien sûr. Avant le live de ce week-end qui arrivera samedi, il n'y aura pas de vidéo. Voilà. Donc, il n'y aura pas de vidéo vendredi ni samedi avant le live. Bon, sur ce, je vous dis bye.